Salut à tous, c'est Ovrak, j'espère que vous allez bien. Petite info avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller checker la description. Il y a des informations dedans telles que mes réseaux ou encore mon render pack et d'autres infos. Donc voilà, si vous voulez des informations, c'est dans la description. Et moi je vous souhaite une bonne vidéo. Perfect. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier round, donc le round 5 du concours GFX. Donc aujourd'hui il me reste deux candidats, donc je vais pas utiliser la roue, ça sert à rien de tirage au sort. Et donc je vais vous dire les candidats. Donc on a Thomas, donc voici ses créations. Elles sont un peu simples et un peu, je sais pas comment dire, un peu basiques, pas très pro, voilà, c'est un peu brouillon, voilà. Donc je pense que c'est le deuxième candidat hein, qui va gagner. Et donc le deuxième candidat c'est bon, vous savez quoi, on va dire Unkoff, voilà, je vais pas prononcer l'UX. Et donc Unkoff, voici ses créations. Elles sont vraiment stylées et plus professionnelles que Thomas. Donc du coup je pense que c'est Unkoff qui va gagner. Et donc du coup et ben maintenant je vous ai mis un petit sondage, donc il s'est déjà affiché je pense. Et comme ça vous avez pas besoin de commenter, vous avez juste à cliquer sur celui que vous préférez, voilà. Et donc du coup, eh bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors comment ça va se passer pour le round suivant, donc la partie 2 du concours GFX pour les qualifier, eh ben je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer tout ça, voilà, pas de soucis, je vous enverrai la vidéo à tous les candidats qui regarderont cette vidéo, donc Yaku, GFX Oslo, Freerux et Coco135. Et le qualifié de cette vidéo, je vous enverrai les liens de la vidéo, voilà, pour que vous puissiez voir les conditions de la partie 2. Et nous du coup je vous laisse voter. Et moi je vous dis ciao tout le monde pour une prochaine vidéo. C'était Ovrax.